Bien, bonjour, bonsoir plutôt. Donc, nous allons pouvoir commencer cette conférence. Je suis heureuse de vous accueillir à la Bibliothèque municipale de Lyon. Merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation au voyage, donc un voyage prestigieux, celui de Marco Polo, avec un guide prestigieux, Philippe Ménard, professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne. Qui vient de terminer l'édition savante la plus sérieuse jamais consacrée à ce grand voyageur vénitien dont il suit la trace depuis 30 ans. On aurait aimé pouvoir vous présenter ce soir l'ouvrage publié qui va être qui est publié aux éditions Glénat, mais qui ne sera disponible que fin novembre, d'après ce que j'ai compris. On vous invite par contre à éventuellement venir emprunter les ouvrages de Philippe Ménard qui sont nombreux dans le fond de la bibliothèque. Nous remercions l'Université Lyon 3, l'école doctorale Lettres, Systèmes, Images et Langages, monsieur et madame Servet, qui nous ont proposé, qui ont pris l'initiative de nous proposer cette conférence. Et je laisserai madame Servet en restituer le cadre. Juste avant, je tiens à attirer votre attention sur une exposition que nous avons réalisée relativement rapidement, modeste, mais qui nous paraît cependant tout à fait intéressante dans le deuxième étage, dans le hall du deuxième étage de la bibliothèque, qui a été réalisée par le Fonds Ancien et le département Civilisation, et dans lequel sont mis en valeur un certain nombre d'ouvrages du fonds ancien, du fonds chinois et de la collection Jésuite des Fontaines. Donc, n'hésitez pas dans les jours qui viennent à aller la voir. Donc, je cède la parole à Mme Servet qui va vous présenter plus précisément cette conférence. Merci beaucoup. Je commencerai par des remerciements, quoique s'ils prennent tout à fait sincères, par rapport à la bibliothèque municipale qui nous accueille dans cet auditorium et qui accueille une conférence qui va inaugurer, nous l'espérons, un cycle dans le cadre d'un plan pluriformation dont l'université a l'initiative et qui va réfléchir sur une période de 4 ans aux relations entre l'Europe et l'Asie, aux représentations, aux influences mutuelles. Et M. Philippe Ménard, dont j'ai été l'élève, a bien voulu accepter d'inaugurer ce cycle de grandes conférences. Je vais peut-être vous présenter un petit peu, parce que j'ai pris des notes, parce que je ne savais pas par où commencer, étant donné l'ampleur de son œuvre. Monsieur Ménard est connu mondialement, je pense, pour d'abord ses travaux sur le rire et le sourire, ce qui nous laisse inaugurer de la conférence. Il a en effet fait une thèse remarquée sur rire et sourire dans le roman Courtois. Et ensuite, je ne sais pas par quel bout prendre la diversité de ses travaux, puisqu'il a travaillé aussi bien sur la poésie, les lettres de Marie de France, sur les romans, sur le Graal. Il a non seulement fait des travaux de recherche, de réflexion littéraire, mais il s'est aventuré aussi avec bonheur, puisque nous ne pouvions pas travailler sans sa syntaxe de l'ancien français. Il a travaillé sur la langue, et sa syntaxe est toujours une référence pour aborder les œuvres. Il a donc fait des travaux de recherche en critique littéraire, et puis aussi des éditions, des Fabliaux par exemple. Et son dernier enfant, si j'ose dire, c'est ce fameux Voyage de Marco Polo, dont il a donné d'abord une édition savante, qui est actuellement la référence sur le devisement du monde. Il a dirigé, parce que c'est un des grands signe de la fécondité des chercheurs que de produire d'autres chercheurs après lui. Il a dirigé toute une équipe. Nous avons ici mon collègue Marc Leperson, qui est aussi un élève de Philippe Ménard, qui est venu l'écouter. Et donc, à l'occasion, nous avons pensé qu'il était important de faire venir Philippe Ménard pour vous parler de Marco Polo, parce que c'est lui qui connaît le mieux Marco Polo, et puis parce qu'au fond, dans les relations entre l'Europe et la Chine, c'est au fond Marco Polo qui inaugure, qui crée le premier lien. Et donc, c'est à l'occasion d'une sortie qui est prévue, vous m'avez dit, le 21 novembre, nous l'avons manqué de peu, mais bon, d'un livre sur Marco Polo à la découverte du monde qui va sortir aux éditions Glénat. Et je pense que c'est un peu grâce à cette édition que M. Ménard va nous montrer ce soir des images du livre sur lequel il a travaillé. Voilà, avec tous mes remerciements. Merci, cher ami. Alors, je me propose ce soir
de vous emmener voyager à l'intérieur de l'Asie en suivant les traces de Marco Polo. Il nous a laissé en effet un livre important, Le devisement du monde, c'est-à-dire la description du monde, que l'on appelle parfois le livre des merveilles, en raison des prodiges, des curiosités en tout cas, et parfois des choses extraordinaires qui y sont contenues. Marco Polo nous apporte aussi des informations juste sur la Perse, sur l'Asie centrale, sur la Chine tout particulièrement, et il est revenu par mer après être parti par voie terrestre à travers la Perse et l'Afghanistan, et puis la traversée de toute la Chine, environ 5000 km de Kashgar jusqu'au palais du Grand Khan, à 300 km au nord de Pékin, en Mongolie, dans la ville qui s'élevait alors et qui se nommait Chengdu. Il ne reste plus rien à cet endroit-là. Les malheurs de l'histoire ont fait que tout a été détruit. Alors, Marco Polo n'est pas, l'œuvre de Marco Polo n'est pas quelque chose de simple. Il y a en effet 6 versions conservées de Marco Polo. Il y a un manuscrit franco-italien très intéressant, plus long que les autres, qui est le plus proche vraisemblablement de la version originale disparue. Il y a la version française conservée par 18 manuscrits, pas par un seul. C'est celle dont je m'occupe avec 15 collaborateurs. S'il n'y avait pas ces 15 savants avec moi, nous serions encore au Thomas. Il ne serait pas encore sorti. Alors, cet ensemble qui donne le texte en ancien français, nous avons à l'heure présente 5 volumes publiés. Le 6e est en cours d'achèvement et sortira, je pense, en 2008. Donc, à ce moment-là, je pourrais dire la page est tournée. Il y a une version toscane conservée par 5 manuscrits, une version vénitienne par 6 manuscrits, bien que Marco Polo soit vénitien, la vénitienne n'est pas une bonne version, malheureusement. Et 2 versions latines, une conservée par 70 manuscrits, fabriquée par un père dominicain, Fra Pipino de Bologne, mais qui modifie le texte, qui l'arrange, qui le christianise, qui le rend plus convenable dans une perspective chrétienne. Et puis une autre version latine conservée dans un seul manuscrit à Tolède, qui est très intéressante parce qu'elle apporte environ 200 additions, des petites additions, mais très curieuses sur l'Extrême-Orient, qu'aucun copiste, aucun adaptateur ne pouvait inventer. On est donc fondé à penser que Marco Polo a procédé à des additions conservées dans ce manuscrit. Ce n'est pas en latin, naturellement, que Marco Polo pouvait écrire, mais enfin, c'était en italien, dans un français italianisé, qu'il a fait écrire. Alors, quelques mots d'introduction sur le voyage de Marco Polo. Je voudrais d'abord, je cherche puisque ce n'est plus dans le bon ordre, mais je vais trouver facilement. Alors, la première image, la voici, elle n'est pas extraordinaire, elle est un peu petite, mais je ne vais pas me risquer dans des problèmes. Je vais quand même tenter un agrandissement. Et je suis ébahi moi-même de ce que je vois sous mes yeux. Alors vous avez, là j'ai trop agrandi parce que vous ne voyez plus le départ. Alors je vais réduire un petit peu, si vous permettez. J'aimerais bien que vous voyez Venise. Malgré tout, voilà, Venise, vous la voyez. Oui, vous la voyez tout. Donc Marco Polo est vénitien, il appartient à une famille de commerçants internationaux. Ses parents, son père et son oncle, avec qui il a fait le voyage, avait un comptoir de commerce à Constantinople, nous ne savons pas ce qu'ils y vendaient, et un autre comptoir à Soudak en Crimée, donc famille importante. Le père et l'oncle étaient déjà partis 15 ans avant que le jeune Polo voie le jour, puisque un écrivain tardif, mais important, Ramusio, qui conserve une grande partie des additions dont je parlais dans le manuscrit de Venise, Ramusio nous dit que quand le père est arrivé en 1269 de son premier voyage, au terme de son premier voyage, il a découvert qu'il avait un enfant. Alors, il a dû partir quelques mois après l'avoir conçu. Mais sa femme était morte. C'est une information qui se trouve seulement chez Ramusio, cela, pas dans les autres textes. Ce qui nous intéresse à nous, c'est que la famille Polo est repartie peu après.
Ils sont repartis à l'automne 1271. Je vais glisser sur les conditions. Comment nous le savons, c'est très rare que nous puissions dater et inscrire dans l'histoire des réalités médiévales, tout particulièrement des réalités littéraires. En tout cas, le pape, qui a pris le nom de Grégoire X, a été élu le 1er septembre 1271. Il se nommait Tedaldo Visconti et la famille Polo l'a rencontré à Saint-Jean-d'Acre, qui est la première grande étape de son voyage à la famille Polo après le départ de Venise. Et ils étaient chargés par le grand Khan Kubilai Khan, en Chine on dit Hobilié Han, bon mais je m'excuse, je prononcerai à l'occidental car le nom mongol racle la gorge d'un occidental. Alors, la famille Polo a reçu des lettres missives du nouveau et tout jeune souverain pontife qui n'avait pas encore pris possession du trône papal. Et elle est partie donc en novembre, avant que le nouveau souverain pontife quitte la Terre Sainte. Donc par un très heureux concours de circonstances, nous savons l'année et le mois de départ des polos pour la Chine. Nous ne savons pas exactement quand ils sont arrivés, ils ont dû arriver en 1274, quelque chose comme ça. Généralement, c'est un peu plus de 2 ans. Le voyage de retour, le premier voyage de retour des polos, c'était 3 ans. Et lorsqu'ils sont revenus par mer, ils ont dû partir en 1291 et nous savons qu'ils sont arrivés à Venise en 1295. Mais ils ont fait des étapes en plusieurs lieux pour des raisons diverses et notamment la mousson. Alors, je voudrais vous donner un aperçu des voyages de Polo à travers la Perse et l'Afghanistan. Voici très rapidement la traversée de la Perse. Vous le voyez, ils arrivent d'Arménie, de la petite Arménie. Ils arrivent à Tabriz, qui est la capitale de l'Empire mongol de Perse. Ils descendent jusqu'au port d'Ormuz, port d'où l'on s'embarquait pour l'Extrême-Orient. Et vraisemblablement, ils avaient envie de partir par mer, car le voyage est beaucoup plus rapide. Mais pour des raisons techniques sur lesquelles on pourra revenir plus tard si vous le souhaitez, ils ne le font pas. Ils remontent à travers la Perse et puis ils partent vers l'Afghanistan. Vous voyez quelques-unes des grandes villes d'Afghanistan et notamment Balkh, l'ancienne capitale de la Bactriane. Et puis ils arrivent ensuite, ils entrent en Chine par Kashgar après avoir traversé le Pamir. Et j'ai une carte à vous présenter aussi sur la traversée de la Chine. La voici. C'est une traversée de la Chine, de Kashgar, à travers toute la Chine de l'Ouest, c'est-à-dire la province du Xinjiang, qui signifie en chinois « territoire de l'Ouest », puis la province du Gansu, c'est un nom ouïghour dont on ne connaît pas le sens. Ils suivent la route méridionale de la soie, avec une majuscule, pas une minuscule, donc Kashgar, Chaché, Rotan, comme on dit aujourd'hui là-bas, Yutian, Chiemo, et puis ils arrivent à Dunhuang, la fameuse ville où il y a des grottes multiples, où il y a des peintures de Bouddha, on en visite plus beaucoup aujourd'hui, on en visite 5 ou 6. Et où les grands archéologues occidentaux, le français Paul Pelliot, l'anglais Sir Auelstein, d'abord il y a eu Sven Hedin, le suédois, et puis quelques autres encore, sont allés et ont découvert une foule de choses et ont pu ramener des manuscrits, des peintures. Enfin, c'est une très grande aventure scientifique, intellectuelle, occidentale. Il faut rendre hommage à ces très grands savants qui ont risqué leur vie dans ces déserts. Les Chinois d'aujourd'hui sont très hostiles et considèrent qu'ils ont été pillés. Ils auraient laissé tout périr, mais aujourd'hui, c'est la mentalité. Alors, vous le voyez, il a suivi la grande boucle du fleuve jaune. Il est allé à Rohot, puis il est parti à Chengdu, qui est la résidence d'été du Grand Khan. Le Grand Khan n'allait pas rester à Pékin en été où il fait très chaud, mauvais, et donc il partait se rafraîchir en Mongolie, son pays natal. Alors, vous avez d'autre part quelques visions des voyages divers de Marco Polo à travers la Chine. Il est allé à la fois
dans la Chine du sud-ouest et aussi dans la Chine de l'est, jusqu'au port de Changzhou, que vous voyez en face de Taïwan, d'où il est parti, ça s'écrit Quanzhou, mais on ne prononce pas comme ça, d'où il est parti pour rentrer à bord de navires, à bord d'une flotte qui ramenait une épouse au camp mongol de Perse avec des ambassadeurs persans. Donc c'était là un départ très important. Et maintenant, voici une miniature très célèbre. C'est le frontispice du manuscrit d'Oxford de Marco Polo, version française, qui est du XVe siècle, en gros vers 1410, où il y a, on pourrait commenter pendant une heure cette image, je la présente simplement, une représentation de Venise par quelqu'un qui y est peut-être allé. Les érudits hésitent. Je pense qu'il y a malgré tout vraisemblance, parce qu'on ne peut pas inventer comme cela, même s'il y a des divergences importantes pour la basilique Saint-Marc. Le palais des Doges est représenté à peu près convenablement. Il y a aussi le quai, la rive à degli Schiavoni, comme on dit. Et alors la famille Polo serait là, sur cette rive à degli Schiavoni, avant de s'embarquer, d'aller à l'île Saint-Georges, et puis de monter à bord d'un bateau. Il y a trois étapes dans leur départ, mais je suis obligé d'aller assez vite, parce que si je m'attarde trop longtemps sur la première image, même si elle est importante, même si elle est célèbre, même si elle plaît beaucoup aux Vénitiens, qui l'ont dans leur grand musée coraire à Venise, c'est une des plus anciennes représentations de Venise, en couleur en tout cas, on ne peut pas y rester beaucoup. Et je poursuis mon cheminement. Nous allons voir maintenant le grand camp. C'est l'ouverture d'un manuscrit français du Moyen-Âge, un autre manuscrit français. J'essaie de retrouver le numéro 4. Le voici, le grand camp, dans le manuscrit français 5631. Il n'y a que deux enluminures dans ce manuscrit. Le frontispice, celle que vous avez sous les yeux, et puis une miniature à la fin, représentant la lutte d'une femme mongole, la fille d'un prince mongol, et puis un prétendant à sa main. Elle réussit à lui faire mordre la poussière, elle ne se marie pas avec lui, elle gagne, nous dit le texte, 500 chevaux. Alors, laissons de côté la seconde anecdote. Il y a ici, je trouve, quelque chose d'extraordinaire dans cette enluminure puissante. Kubilai Khan est porté sur une plateforme par quatre éléphants. Le texte ne nous dit pas qu'il voyage normalement comme cela, mais enfin, dans des scènes de chasse, on sait qu'il en va ainsi. Le long sabre recourbé, brandi en l'air, et lourde menace, des soldats le précèdent en armes, un fanion très curieux. On voit une sorte de tête de mort, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est la Corse qui est représentée ici, naturellement. La couleur pourpre ne manque pas de puissance, c'est en effet la couleur royale, la couleur impériale là-bas. La cité dite interdite s'appelle en chinois la cité pourpre interdite. Et donc je trouve que cette image, par quelqu'un qui n'avait jamais vu la Chine, qui ne savait pas comment était fait Kubilai Khan, nous verrons son véritable portrait dans quelques instants, ne manque pas de force expressive. Et elle témoigne du savoir-faire, de l'imagination, du sens de la mise en scène, et j'irai plus loin, de la vibration intérieure des artistes français du Moyen-Âge. Alors, Marco Polo a composé son récit d'une très curieuse façon. Il était prisonnier à Gênes en 1298. Il est rentré en 1295. Il nous le dit dans son texte. Et il note aussi qu'il se trouvait dans la prison de Gênes avec un écrivain professionnel qu'il a utilisé. Je ne peux pas entrer très longtemps dans les considérations relatives à la fabrication du livre. Le livre ne devrait pas s'écrire « Livre de Marco Polo ». Il devrait s'écrire « Livre de rusticien de Pise » ou « Rustichello da Pisa » en italien, et de Marco Polo, ou encore « Livre de Rustichello de Pise ». Quand on utilise les services d'un fabricant, même si on apporte des éléments, des documents, alors reconnaissons au grand voyageur des mérites infinis, il est allé à l'autre bout du monde, il a été le premier occidental à décrire la Chine, mais c'est pas lui qui a tenu la plume, au moins au début. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est ainsi. Il a réussi à laisser son nom seul. L'introduction nous dit que Rustichello a écrit, mais après, les manuscrits conservent seulement le nom de Marco Polo,
ce qui est un second miracle pour Marco Polo, le premier étant d'être allé si loin, plutôt un troisième miracle. Le second, d'être revenu vivant après tant de périls. Et le troisième, c'est d'avoir passé et de passer en toujours pour l'écrivain. Alors là, nous sommes en Perse. J'avance parce que le temps passe lui aussi. C'est la première partie du voyage de Marco Polo. Il décrit d'abord un peu l'Arménie et puis assez longuement la Perse. Alors, l'œil du marchand est attiré par des produits singuliers. Ici, contrairement à ce que vous pourriez penser, il s'agit de la fabrication d'un collyre. D'un collyre à l'oxyde de zinc, vous le savez peut-être, on utilisait il y a quelques années encore, ça continue peut-être toujours, pour soigner des maladies oculaires de l'oxyde de zinc. Et ce four est fait pour recueillir par le procédé de la sublimation la matière qui s'échappe dans la fumée et qui se dépose sur la grille qui est représentée en haut. Alors nous avons offert un manuscrit tardif. C'est peut-être le plus ancien des manuscrits de Marco Polo. C'est un manuscrit qui est conservé à l'Arsenal. Sa cote, c'est Arsenal 5219. Il est très, très curieux. Il est le seul à conserver 197 miniatures. Les autres en ont parfois 2, parfois 30, parfois 80. Mais là, c'est un cas exceptionnel. 197. Elles sont un peu particulières, mais nous avons là la manière dont un homme du XVIe siècle se représentait un passé lointain. Il a imaginé des fours du XVIe siècle. Nous allons ensuite avancer dans la traversée de la Chine et arriver jusqu'au roi mage. Je les cherche. Oui, je vais les trouver. Non, mais en haut à gauche, ça s'ouvre pas, par le bâton dit. En haut à gauche, voilà, je les ai vus. Oui, ici. Parce que la série faite sur Mac ne s'ouvre pas sur PC. Bon. Alors, les voici, les rois. Vous les voyez, les trois rois. En prière devant un feu sacré. Marco Polo a toute une scène sur les rois mages. Il nous dit qu'il est arrivé dans une ville, dans une petite ville, où on lui a présenté trois tombeaux où étaient ensevelis, intacts, encore intacts, trois morts. Les morts avaient des cheveux et de la barbe, nous dit-il. L'un s'appelait Gaspard, le second Balthazar et le troisième Melchion. C'est une dénomination ancienne qui a été remplacée par Melchior, comme vous savez. Alors, il nous donne le nom persan, qui déforme un petit peu. Le nom persan, est, en traduction, c'est Château des Adorateurs du Feu. Et en effet, il existait en Perse, il existe encore aujourd'hui, le culte du feu. Évidemment, l'islam a essayé de détruire, de réduire, de faire disparaître le culte du feu. Il y a malgré tout encore quelques mazdéens, comme on les appelle. C'est le dieu Mazda, c'est la religion de Zoroastre, complexe, avec le dieu de la lumière, Mazda, la fameuse pile Mazda, vous le savez, elle fait la lumière, et bien justement, c'est un souvenir de ce dieu persan. On les appelle aussi les Ghèbres, d'un nom persan, Gabre, qui signifie infidèle par rapport à Mahomet, naturellement. Ils ont refusé de se convertir à l'islam. Alors, il y a toute une histoire que nous conte Marco Polo. Il serait parti en Palestine, ils auraient adoré l'enfant Jésus. L'enfant Jésus leur aurait donné un petit coffre fermé, arrivé dans leur pays. Ils l'ont ouvert, ils ont vu une pierre. Très mécontents, ils ont jeté cette pierre dans un puits. Et soudain, ils ont vu du ciel descendre le feu. Et ce feu a continué de brûler. Donc c'est le feu sacré. Alors nous avons ici une adaptation par un très grand artiste français, le peintre. Il y a tout un atelier, plusieurs ateliers de peinture d'ailleurs dans ce manuscrit français de 1810, la Bibliothèque nationale, qui est célèbre parmi tous les médiévistes. Et on voit sur un tombeau à l'antique les flammes qui sortent, qui brûlent, et la vénération du feu qui est pratiquée là. Cela se passe au sud de Cachan, si on localise la scène, entre Qom, qui est une ville sainte de l'islam, et Cachan. Zoroastre passe pour être né dans le nord de la Perse, dans l'Azerbaïdjan. Et puis nous allons quitter les rois mages.
qui ont permis à Marco Polo de suivre des traditions orientales, la représentation orientale des rois mages qui mêle des croyances chrétiennes et des croyances orientales. Et nous allons passer maintenant au redoutable vieux de la montagne, terrible personnage que nous voyons à droite dans cette image, très belle aussi, mais je ne peux pas trop insister sur leur aspect esthétique, faite par un des peintres, sans doute le plus grand peintre du manuscrit français de 1810. Dans un jardin magnifique, le maître de la secte des assassins, ce sont des terroristes pour raisons politiques, Hachichin, du nom du hashish. Le maître de cette secte se trouvait dans les montagnes de l'Elbourg, dans le nord de l'Iran, et il menait ses disciples dans un jardin merveilleux, nous dit le texte, où ils avaient tous les plaisirs, tous les délices, des conduites de vin, de lait, de miel et d'eau. Ici, une sélection a été opérée, nous ne voyons pas tous ces conduits, mais nous voyons de charmantes créatures, et puis il y a de la musique aussi, il y a l'amour et les beaux-arts, en quelque sorte. Et puis le vieillard qui donne des instructions, il a une barbe blanche, comme vous voyez. En fait, Marco Polo a entendu parler de lui, parce que le repère d'Alamout, dans les montagnes de l'Elbourg, a été conquis en 1256 par le souverain mongol Oulagou, qui s'est emparé de la Perse, et qui est devenu le premier Ilkhan, le premier Ilkhan de Perse. Il a détruit la secte. En 1272, quand il y est passé, Marco Polo en a entendu parler. Et il a pris des notes à ce sujet. Maintenant, nous avançons dans notre chemin, en suivant Marco Polo, nous arrivons jusqu'en Asie centrale. Alors, c'est une représentation faite par toujours le peintre du manuscrit de 1810 d'une scène pastorale dans la Chine du Nord-Ouest, dans la Chine des territoires de l'Ouest, dans le Xinjiang. Très infidèle au texte de Marco Polo, mais c'est un plaisir pour les érudits d'aujourd'hui que de trouver des illustrations sont infidèles au texte, puisque nous avons ainsi des commentaires à faire. Si elles étaient trop proches du texte, nous aurions moins de choses à dire. Le texte est très court. Le texte nous dit « On ne voit que Sablon ». En effet, il s'agit de la ville qui s'appelait autrefois Tchétchène, qui s'appelle Tchiemo aujourd'hui, Q-I-E-M-O. Toute cette province est sablon, nous dit Marco Polo. Il est question de fleuves emplis de jaspe et de calcédoine, et puis de sable partout, de gens qui fuient lorsqu'il y a des agressions, qui vont se réfugier dans les sables à quelques distances, le vent effaçant leurs traces, nul ne peut les retrouver. Nous avons ici une scène paisible, des bergers avec leurs tentes près de montagnes, des chameaux de Bactriane à deux bosses, des bœufs, des moutons, de la verdure. Aucun des chapitres antérieurs immédiats ne justifie une telle représentation. Aucun des chapitres suivants. Tout est tiré du talent de l'artiste qui a voulu présenter des gardiens de bêtes en Asie, apporter donc de l'exotisme, et les chameaux y contribuent. Les tentes aussi, ce ne sont pas exactement des yourtes mongoles, mais enfin, quoi qu'il en soit, nous avons une scène attachante qui nous représente à la manière du rêve l'Asie centrale. Et nous allons maintenant entrer en Chine complètement avec Hobilairan, que nous voyons ici d'après un portrait authentique qui est conservé aujourd'hui à Taipei, le musée national, le National Palace Museum de Taipei, à Taïwan. Ce portrait est un rouleau sur soie qui a été fait du vivant de Marco Polo et qui devait, estime-t-on très légitimement, se trouver dans la cité interdite, dans le trésor des empereurs de Chine.
En effet, les empereurs de Chine avaient là leur pinacothèque. Et lorsque Kubilai Khan a conquis toute la Chine du Sud, il s'est emparé des peintures possédées par les empereurs chinois. Il se trouvait alors dans la ville de Hangzhou, dans la Chine du Sud, et ils les ont fait venir dans leur résidence, puisque Kubilai Khan avait construit un palais, un premier palais extraordinaire, Marco Polo nous le décrit. Malheureusement, il n'en reste plus que quelques rares fondations, et encore, je ne suis même pas sûr, il reste des murailles de la ville fondée par Kubilai Khan, mais il ne reste plus rien du palais. La dynastie suivante, celle des Ming, en 1368, a tout détruit. Il ne reste, semble-t-il, qu'un élément encore du temps de Kubilai Khan, une immense vasque en jade noir, que je suis allé voir assez récemment, et qui est d'ailleurs assez peu connue, qui a eu des malheurs dans l'histoire. Elle a servi à des moines taoïstes pour y entreposer de la saumure, et puis elle a été récupérée par un empereur chinois au XVIIIe siècle. Elle a été installée à un endroit dans un kiosque en plein air, et donc elle est protégée maintenant. Il reste encore un temple que Kubilai Khan avait fait bâtir, qui s'appelle le Dagoba Blanc, et puis il reste l'observatoire, le fameux observatoire de Pékin aussi. Donc ce sont les seuls souvenirs de l'époque mongole dans la ville de Pékin. Alors, au moment de la chute de la Chine nationaliste, la plupart des trésors qui se trouvaient dans la cité interdite ont été enlevés. Il y a toute une odyssée, des cheminements mis à Nankin et puis après envoyés dans la Chine centrale. Donc Chiang Kai-shek avait très habilement donné l'ordre d'essayer d'évacuer ces trésors. Et lorsqu'il est parti à Taïwan avec ses troupes, et il a mis aussi presque tous les trésors sur des navires. C'est pourquoi beaucoup de peintures, d'objets modestes, pas des objets trop volumineux, se trouvent aujourd'hui à Taipei. Et c'est un portrait sur lequel des travaux ont été faits. Nous savons assez bien, nous ne savons pas sa date. On peut estimer qu'il est antérieur à 1294, qui est la date de la mort de Kubilai Khan. Et nous pouvons penser qu'il a dû être peint par un peintre officiel, peut-être à Anigé, qui se trouvait à son service. En tout cas, il y a là une représentation fidèle de ce qu'étaient les Mongols à cette époque, de ce qu'était un empereur mongol. Il est naturellement très bien habillé d'une manière impériale, mais laissons l'habit du dessous. On voit la calotte qu'il portait, avec un couvre-nuque à l'arrière pour se protéger du redoutable vent de la bise glacée de Mongolie, celle qui souffle sur Lyon aujourd'hui, toute froide qu'elle est, et moins violente, me semble-t-il. Et puis, on voit une petite barbe à deux pointes, et surtout les cheveux qui sont noués derrière les oreilles, c'est là quelque chose de traditionnel dans l'habillement mongol à cette époque. Nous avons des confirmations qui nous sont faites par d'autres voyageurs. Les cheveux noués en fines nattes, c'est caractéristique. Ce n'était pas ce que l'on voyait sur le visage des empereurs chinois. Alors, après avoir présenté l'empereur, je suis obligé de vous présenter sa femme, son épouse. D'abord, il l'a beaucoup aimée, et puis c'est intéressant, c'est très rare d'avoir des portraits d'impératrices mongoles. Alors la voici. Elle s'appelle Chabi. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec le Chabichou ou avec d'autres choses. Il a dû l'épouser en 1240. En effet, un premier fils est né d'elle à ce moment-là. Nous savons qu'elle a adopté le bouddhisme tibétain, elle a été conseillère de son mari, très liée avec des lamas tibétains.
C'est elle qui a apprécié l'architecte népalais Aniko, qui l'a fait venir à Pékin. Et cet Aniko a construit justement le fameux temple du Dagoba blanc que l'on voit encore aujourd'hui. À l'intérieur, il est un peu sinistre, mais enfin, laissons de côté un jugement critique sur le lamaïsme tibétain. En tout cas, Chabi est morte en 1281 et après, Kubilai Khan n'a plus été le même homme, il a beaucoup regretté cette femme. Alors, vous avez un ornement de tête extraordinaire qui est caractéristique de la société mongole. On l'appelle le bokta en langue occidentale, vraisemblablement le borta. Il est long d'une coudée, il est creux à l'intérieur, il y a une touffe de plumes de paon au sommet, il est orné de pierres précieuses, recouvert de soie, les cheveux sont rassemblés en chignon au-dessous, et la parure est tenue par un lien sous le menton, ainsi il ne peut pas tomber. Les dames portent encore cette coiffure lorsqu'elles chevauchent, et un voyageur qui n'est pas allé en Chine, qui est allé en Mongolie, Guillaume de Rubruck, il vient de Flandre, mais c'est un petit village français encore, Rubruck, dit qu'elles ressemblent à des soldats casqués lorsqu'elles sont ainsi à cheval. Ces précisions curieuses manquent chez Marco Polo qui ne décrit pas le boktak. J'utilise la description, le texte latin de Guillaume de Rubruck pour vous en parler. Ce fils de marchand qu'est Marco Polo ne s'intéresse pas à la parure des dames. Il regarde plutôt ce qui se vend et s'achète. Il est attentif parfois aux aventures féminines quand des dames se donnent aux voyageurs. Il le marque, il le note dans son livre. Il l'a vu 3 ou 4 fois. Mais il ne va pas plus loin. Il fait une allusion malicieuse. Alors nous arrivons maintenant, toujours dans des scènes réelles, à une toile. C'est une peinture sur soie de très grand format. Nous en connaissons l'inscription, il y a sur le côté, mais je ne l'ai pas enregistré ici malheureusement, l'inscription chinoise qui dit « Respectueusement peint par le préposé à l'office de la garde-robe impériale, Liu Guantao », on transcrit parfois « Guandao », dans la 17e année de Zijuan, comme vous le devinez, chaque empereur chinois a son règne. Et quand il occupe pour la première fois le trône, c'est l'année numéro 1. Alors, ici, ça correspond à notre année 1280. C'est une partie de chasse à laquelle Kubilai Khan a assisté. Il n'y a pas participé. Je vais essayer de l'agrandir parce qu'elle me paraît un peu petite. Et ce serait plus intéressant de mieux voir. Je poursuis. Alors, je pense que ça devient infiniment meilleur. J'ai fait disparaître ce qui se trouvait au sommet, c'est-à-dire la caravane de chameaux, qui est très curieuse. Elle était dans le fond, en beige. Elle rappelle à l'empereur, c'est une peinture qui est faite pour l'empereur, naturellement, par un très grand peintre chinois du temps. Elle rappelle qu'il est mongol, qu'il a traversé des déserts en caravane. Alors ici, nous avons la scène centrale. Vous voyez l'empereur au milieu, Madame Chabi à ses côtés. Alors, ce n'est pas une tenue normale de chasse pour un empereur. C'est pourquoi je dirais qu'il assiste sans y participer vraiment. Et puis les chasseurs, il y a un chasseur mongol, un archer extraordinaire ici à gauche. Il y a un noir, il y a deux noirs dans cette scène, mais je ne vais pas m'arrêter longtemps. On pourrait passer une heure entière à la commenter, mais nous ne verrions rien d'autre. Alors cela vous montre le goût de l'empereur pour les scènes de chasse. Nous allons le voir dans la scène centrale, vous le voyez ici, avec celui qui porte le drapeau blanc. J'estime pour ma part, c'est une hypothèse que j'ai présentée dans un travail, que ce drapeau doit servir, quand on l'agite, à marquer la fin de la partie de chasse. Quand le souverain en a assez, parce qu'il est âgé, il est déjà un peu engoncé, il est gros et gras, il commet des excès alimentaires, quand il est fatigué, eh bien, on agite le drapeau et tout le monde s'arrête et le suit. Donc c'est la partie centrale, et puis nous allons poursuivre et arriver maintenant à des scènes religieuses, parce que la religion joue un rôle important dans la description de Marco Polo, je surveille aussi l'heure du coin de l'œil. Là, nous nous trouvons dans la Chine de l'Ouest, dans le pays que Marco Polo appelle Tangut. C'est un nom qui désigne
un petit royaume qui se trouvait juste au-dessous et au-dessus de la grande boucle du fleuve jaune, le Hoangré, comme on dit aujourd'hui. Ça s'écrit H-O-A-N-G et puis H-E. Alors, ce qui est écrit H se prononce R en chinois. Alors, ce fleuve jaune, il a donné lieu à un certain nombre de petits royaumes sur ses bords. Et Marco Polo a traversé cette partie de la Chine. Il est entré dans des temples et il nous décrit une scène où l'on voit des parents qui viennent présenter un mouton à un dieu pour favoriser un jeune enfant qui vient de naître, nous dit-il. Là, il y a deux enfants, ils sont nés depuis quelques années, mais nous prenons l'image pour ce qu'elle est. Il y a toujours un écart entre la transposition faite par un peintre du manuscrit français de 1810, et puis ce que dit le texte. Marco Polo nous dit qu'on présente le mouton, on le fait cuire, on déclare que l'idole a mangé sa part de la viande, et puis on emporte la viande chez soi, et on banquette. On met les os du mouton dans des coffres, là nous avons affaire à la cérémonie d'offrande. Le père de famille, deux femmes, il y a de la polygamie, Kubilai Khan avait quatre femmes, mais Madame Chabi était la préférée, naturellement, elle avait le titre d'impératrice. Deux enfants, un mouton, un tout petit agneau aussi, vous le voyez. Il ne faut pas le prendre pour une colombe, naturellement. Nous allons quitter cette scène religieuse qui n'est pas mal présentée avec toujours cette représentation d'un dieu d'Extrême-Orient comme une idole de cuivre, nue comme un verre, avec un bouclier. On leur met très souvent aussi une lance entre les mains. C'est la représentation traditionnelle des dieux d'Extrême-Orient chez les Occidentaux, chez les peintres occidentaux. Il y a toute une tradition à ce sujet. Et nous allons assister à une autre scène religieuse maintenant, le bouillon pour les dieux. C'est pas le bouillon d'onzeur, c'est le bouillon pour les dieux. Alors j'emprunte cette image au seul manuscrit qui la présente, c'est le manuscrit d'Oxford. Vous le voyez, ils sont contemporains. Le manuscrit de Paris, le 2810, et le manuscrit d'Oxford, Baudelaire 264. Le dieu des Tartares se trouve tout au fond, avec ce couvre-chef en pointe. Il est normalement en feutre, on n'a pas l'impression qu'il soit fait en feutre. On représente aussi sa femme et ses enfants, nous ne voyons pas la femme et les enfants du dieu ici. Il est tout seul. Lors du repas des Mongols, nous dit le texte, on prend de la viande grasse et on en enduit la bouche du dieu et la bouche des membres de sa famille. Puis on prend du brouet et on le jette dehors. Vous le voyez tout à fait à gauche de l'image. Vous voyez quelqu'un qui renverse le chaudron. Ce n'est pas un tout petit peu, il renverse tout pour attirer la protection divine sur la famille qui normalement banquette pendant ce temps. Vous voyez que la table est mise et il y a des personnages qui sont dans une attitude de prière. On leur a mis des couvre-chefs pointus pour nous montrer que nous sommes tout à fait en Orient. L'illustrateur a manifestement lu le texte, mais il le transpose à sa façon. C'est une scène très chargée, l'idole est habillée, elle trône sur un piédestal, sur une colonne, et la personne qui verse le bouillon a la tête basanée, donc elle appartient peut-être à une autre race au service des Mongols, mais l'un ou l'autre aussi des personnages qui sont à gauche ont une certaine couleur, alors que ceux qui sont à droite sont blancs, donc il y a une différence qui est donnée par notre peintre. Mais nous n'allons pas entrer dans les considérations qui seraient de mauvais goût en notre temps, et nous allons passer à une cérémonie d'obsèques beaucoup plus intéressante, non pas parce qu'il s'agit d'obsèques, mais parce qu'elle est complexe. Alors nous sommes toujours dans la même province de la Chine de l'Ouest, et Marco Polo nous décrit très longuement les croyances des gens du pays, la cérémonie funèbre avec toute une procession qui a lieu et qui aboutit à un endroit où l'on fait brûler le corps. Le rite funéraire de crémation est utilisé dans ce pays ouïghour, comme nous dirions aujourd'hui. Disons que c'est dans la province du Gansu.
Marco Polo nous dit qu'on édifie une maison de bois sur le trajet du corps. Le cortège s'y arrête. On jette alors devant le défunt de la nourriture. On fabrique des figurines représentant en papier des chevaux, des chameaux, de l'or, de l'argent. Et on fait brûler tout cela avec le mort. Cela lui servira dans l'autre monde. La croyance que ce qui est mis dans la tombe ou ce qui est brûlé, le feu servant d'entrer dans l'au-delà, est répandu aussi dans la Chine. Ce n'est pas seulement le propre de la Mongolie. Alors, le jour de la crémation est fixé par des astrologues, des chamans, nous dirions, puisque c'est le chamanisme qui règle les croyances rituelles des Mongols. Mais on s'éloigne du texte de Marco Polo lorsque nous voyons dans un intérieur, nous sommes dans un intérieur, il y a des carreaux. Nous voyons le cercueil qui brûle ici. D'abord, il n'y a pas de cercueil il ne brûle pas à l'intérieur d'une maison. Donc il y a une invention extraordinaire faite par le peintre qui mêle plusieurs scènes, qui mêle d'une part le repas qui a lieu à l'intérieur de la maison du mort. Le mort peut rester dans un cercueil pendant 6 mois, nous dit le texte, en attendant que les astrologues voient un jour favorable. Et ils disent aussi par quelle partie de la maison on sortira. Si on sortira par la porte, par le mur, comme les maisons sont faites en terre séchée, il n'est pas difficile d'ouvrir le mur pour faire sortir le cercueil. Alors ici, un cercueil qui flambe, danse et musique en même temps, déhanchement des corps, nourriture, on a l'impression d'assister à un banquet. Nous avons affaire à une scène extraordinaire. Et nous allons voir une autre, c'est la même représentation, mais cette fois-ci dans le manuscrit d'Oxford, le Baudelaire 264, c'est la même scène. Alors cette fois-ci, on voit ici un bœuf qui est représenté, c'est une trouvaille de notre miniaturiste. Il n'y a pas un mot à ce sujet. Il n'est question du bœuf et de la croyance au bœuf que dans les chapitres consacrés à l'Inde. Pas une fois en Chine. Mais c'est pour rendre plus exotique, plus extraordinaire, plus bizarre la scène. Et puis, le cercueil à côté est malvenu, mais enfin, laissons-le, puisque le corps se trouve dans un linceul, il est en train d'être brûlé. Naturellement, aucune crémation n'a lieu de cette manière-là, mais les Occidentaux n'en avaient jamais vu. Ils pensent qu'il y a deux préposés qui tiennent le cercueil au-dessus d'un foyer et qui, sans se brûler les mains, alors peut-être, pourrais-je ajouter, ils ont un costume d'amiante. Ce n'est pas une plaisanterie, parce qu'il y a un chapitre de Marco Polo qui nous décrit l'amiante. En tout cas, voilà cette scène prodigieuse du peintre du manuscrit d'Oxford, qui est contemporain du peintre du manuscrit de Paris, le 2810. Alors nous allons avancer maintenant, nous quittons la Chine, nous arrivons en Indonésie, nous nous trouvons à Sumatra, où nous voyons des anthropophages, vous les voyez, ces deux individus, ils sont là en train de dévorer. Heureusement, ils sont habillés. Ils sont habillés et ils mangent des mains et des pieds d'hommes. Ils sont devant une table qui a une nappe. Alors, il y a des éléments qui rendent la scène un peu moins horrible, un peu moins barbare, elle le reste malgré tout. Il y a aussi un beau carrelage sur le sol, il y a un mince pilier. Mais je suis persuadé qu'il y a un effort qui est fait chez ce peintre pour ne pas représenter à cru, à nu, de manière trop sauvage, la barbarie humaine. Et puis, il y a aussi des scènes de vénération d'animaux. Vous voyez à droite des marchands qui vénèrent un lévrier et puis un cheval. Ils sont à genoux devant les deux animaux. Donc, tout cela, ce sont des additions de l'artiste. Jamais Marco Polo n'a parlé d'hommes de ces régions. Ni à Java, ni à Jana, c'est ce que vous voyez devant vous, mais on appelle Sumatra Java aussi au Moyen-Âge. C'est un mot arabe qui est employé pour Sumatra. Jamais Marco Polo n'a écrit le moindre mot dans ce sens. Mais l'artiste a imaginé qu'il y avait des choses curieuses. Il y a une phrase de Marco Polo disant qu'à Sumatra, il y a dans les montagnes des individus anthropophages qui mangent les humains. Alors la barbarie, à mes yeux, est atténuée par le décor, par la calme scène d'intérieur, par l'événement, par les vêtements,
Normalement, je tiens à vous le rappeler, les cannibales ne sont jamais bien vêtus. Et nous allons maintenant passer à l'image 18. Alors, c'est la même scène dans le manuscrit de l'Arsenal. Elle est beaucoup plus horrible. Je ne vais pas m'y arrêter longtemps pour ne pas vous émouvoir. Je ne voudrais pas qu'il y ait des personnes qui aient des malaises. Le texte nous dit, ce n'est pas le même passage, naturellement. Il ne s'agit pas de Sumatra, mais c'est une représentation du même genre. C'est tout en bas de la Chine, à Fuzhou. Le texte nous dit que les gens du pays ont de grands lions sauvages et ils mangent de tout, y compris de la chair d'homme, à condition qu'ils ne soient pas morts de mort naturelle. C'est-à-dire, ils mangent donc les corps des morts tombés dans les combats, tombés sur les champs de bataille. Ça signifie qu'ils mangent les corps de leurs ennemis. Pour s'approprier, sans doute, en vertu d'une vieille croyance magique, pour s'approprier leur force, leur puissance vitale. Alors ici, nous avons une scène cruelle, nous voyons le malheureux découpé, et puis les morceaux sont jetés dans une grande corbeille, et on voit les lions à l'extérieur, mais je ne m'attarde pas sur cette scène terrible, je la ferme, et nous allons passer tout de suite à la 19e image, nous allons avoir affaire à une scène beaucoup plus intéressante, qui, sur le voyage de retour, nous montre un roi de l'Inde. Marco Polo nous parle alors de la côte de Mahabar, c'est un mot arabe, qui désigne la côte que nous appelons Coromandel, c'est la côte orientale de l'Inde. Il n'y est pas allé à ce moment-là, il y a tout un ensemble de raisons qui le montrent. C'était impossible. Il y a un problème de mousson, il y a un problème de mois, il y a un problème de rapidité, etc. Mais il est allé en Inde auparavant, et il nous donne à ce moment-là des informations en plusieurs chapitres très détaillés sur la côte orientale de l'Inde qui viennent d'une expédition antérieure au service du Grand Khan. Alors, sur cette côte du sud-est, des gens vont nus, nous dit-il. Le roi du pays porte un collier de pierres précieuses avec des rubis, des saphirs, des émeraudes. Nous voyons ce très long collier qui lui descend jusqu'aux pieds. Sur sa poitrine, nous dit Marco Polo, il porte un grand fil de soie où sont enfilées 104 pierres. Il a commis une petite erreur parce que normalement, c'est un petit peu plus les pierres que l'on portait en pareille occurrence. Ça doit être 108, c'est le nombre de prières que les brahmanes disent et ceux qui croient au brahmanisme. Alors il dit ses prières aux idoles. Alors il a des bracelets aux bras et aux jambes, nous dit Marco Polo. Là, nous ne voyons pas du tout à ses bras et à ses jambes. Heureusement, il porte un slip indien, naturellement. Et puis nous voyons que les personnages se trouvent comme des nudités calmes dans un monde apaisé, plus apaisé que le texte de Marco Polo, car dans ce chapitre, on nous parle de crémation, on nous dit que le roi a 500 femmes, que le condamné à mort se lacère de couteau, se tue devant la statue du dieu, qu'on adore le bœuf comme un dieu. Autrement dit, la représentation picturale avec les calmes moutons nous montre ici un monde serein, un monde d'harmonie. Nous sommes sur l'autre côte de l'Inde maintenant, nous avançons, je regarde l'heure et nous approchons du dénouement. C'est la cueillette du poivre sur la côte occidentale de l'Inde. Aucune information, à vrai dire, dans ce chapitre nous est donnée en détail. On nous dit qu'il y a du poivre en grande quantité. Qu'on plante des arbres domestiques, on récolte en mai, juin, juillet. Un point, c'est tout. Ici, toute une scène est imaginée d'une manière très puissante. Nous voyons des ouvriers noirs avec des pagnes blancs. C'est une trouvaille. On leur a fait aussi des barbes grises à certains d'entre eux. Il y a un maître à l'extrémité droite qui est blanc. On peut hésiter sur sa condition. Est-ce le maître de la plantation? Est-ce un marchand, un acheteur qui goûte le poivre? Ce pourrait être le maître aussi qui s'informe de la qualité du poivre. Tout est possible. En tout cas, il goûte une baie. Il porte une baie à sa bouche. Je préférerais croire cela. Et on voit ces montagnes dentelées qui appartiennent à l'esthétique fréquente des peintres du Moyen-Âge pour représenter les montagnes.
Les poivriers, évidemment, ne sont pas représentés d'une manière réaliste, mais il ne faut pas demander l'impossible. C'est déjà très joli d'avoir montré des ouvriers noirs. Il y a parfois des noirs dans la Chine, pardon, dans l'Inde occidentale. Il y en a. Certains sont moins noirs que cette teinte-là. Et puis il y a aussi des noirs que l'esclavage a amené de la côte orientale de l'Afrique dans la Perse musulmane et de la Perse en Inde. Et aussi de l'Inde en Chine un tout petit peu. Enfin, voilà cette image qui est très justement célèbre. Maintenant nous arrivons dans le monde de l'extraordinaire, dans les quelques minutes qui nous restent. Nous arrivons en Asie et nous voyons les dragons. Ces dragons, dans le manuscrit 2810, il pourrait être longuement commenté. Le pinceau de l'artiste a imaginé les dragons traditionnels. Marco Polo ne parle pas de dragons dans ce chapitre relatif à la Chine du sud, de l'extrême sud. Il parle de grands serpents à deux pattes qui la nuit descendent des forêts pour se rouler dans l'eau et boire l'eau de fleuves ou de mares. Il s'agit vraisemblablement, c'est dans la province du Yunnan, comme nous disons aujourd'hui, il s'agit de sortes de crocodiles. Il y a un alligator chinois, sinensis, comme on le qualifie, ça doit être cela. Et alors, l'artiste a imaginé les dragons comme au Moyen-Âge, on se les représentait avec les ailes. Nous ne voyons pas sortir de leur gueule de flammes, ce ne sont pas des langues flamboyantes, me semble-t-il, mais il y a une symphonie en vert, en jaune, couleur inquiétante, en orange, toutes les têtes sont différentes. Le dragon central, au plan esthétique, est le plus réussi, avec la couleur blanche dessous, la couleur verte dessus, mais laissons ces vilains personnages pour que vous n'ayez pas de très mauvais rêves. Et avançons un peu, nous allons passer maintenant à des monstres humains. Voilà ce que vous verriez si vous alliez vers l'Orient lointain, vers l'Orient extrême. Ici, c'est au nord de Karakorum que l'artiste nous présente des personnages dont jamais Marco Polo n'a parlé. C'est une addition extraordinaire, très puissante. Nous voyons des personnages traditionnels de l'imaginaire antique qui a survécu dans la peinture médiévale. Il y a d'une part à gauche le personnage sans tête, l'homme tronc, si vous voulez, qu'on appelle blémi d'un mot grec. Et puis vous avez au milieu d'un mot grec, celui qu'on appelle le siapode, celui qui se fait de l'ombre avec son pied, skia et épouse podos. Pour se protéger de l'ardeur du soleil dans ces pays où le soleil est terrible. Et puis le cyclope avec l'œil unique au milieu du front, à droite. Mais ils ne sont pas velus, ils n'ont pas l'apparence de bêtes, ils sont bizarres simplement. Notre auteur, notre peintre, essaie de présenter des êtres qui ne fassent pas horreur, qui surprennent, qui étonnent, qui paraissent des monstruosités, mais sans qu'ils provoquent un sentiment d'épouvante. Ce n'est pas toujours le cas, comme nous allons le voir en regardant le manuscrit d'Oxford, où nous voyons les monstres humains. Vous le voyez, ils sont velus, ces quatre personnages qui sont là. Vous avez en haut à gauche, ils brandissent des massues, ils sont méchants en plus. Ils ressemblent à des hommes sauvages, tels qu'on s'est représenté au Moyen-Âge, avec une toison animale. Et ils brandissent une énorme massue, ce personnage qui est blémi. L'autre, c'est un cynocéphale, tout en haut à droite, avec sa gueule de chien, et un bouclier en forme de personnage, de tête de personnage. C'est aussi une représentation traditionnelle pour faire peur, pour épouvanter. Et puis nous avons le cyclope, qui avec son œil unique regarde vers le ciel, et avec son bouclier en forme de chapeau, et il a une lance, il est très velu. Et puis l'homme au pied unique, le siapode, il est debout. Il a une massue, donc tous ces personnages sont inquiétants, ils sont couverts d'une toison
Il cherche à nuire. Alors on voit le chameau aussi qui donne l'impression d'exotisme. Donc c'est une trouvaille du peintre du manuscrit d'Oxford, Baudelaire 264, contemporain au plan chronologique de celui que nous venons de voir de Paris. Et nous voyons maintenant des cynocéphales dans le manuscrit de l'Arsenal, c'est-à-dire les hommes à tête de chien. Marco Polo consacre un chapitre à leur sujet. Il dit qu'ils existent dans une île au large de l'Inde, les îles Andaman, où il n'a pas dû passer. Mais il a pu apprendre des choses à leur sujet. Il a pu apprendre des choses sur ces îles, vraies ou fausses, dont il se fait l'écho. Il n'est pas obligé de décrire seulement ce qu'il a vu. Il dit aussi, de temps en temps, ce qu'on lui a rapporté. Le texte ne parle pas de leur nudité. Il se contente de dire qu'ils ont une tête de chien mâtin, qu'ils sont cruels et cannibales. Alors ici, il y a la puissance de cette évocation, le long museau allongé, la massue, toujours signe inquiétant. Ils attendent sans doute l'arrivée du petit navire qui est au loin pour s'emparer de l'équipage et le dévorer. La femme est toute nue. L'homme est habillé selon les critères de la pudeur médiévale pour qu'on ne voit pas son sexe. Le sexe masculin ne doit pas apparaître. Mais c'est une image puissante. L'auteur, le peintre, le grand peintre du manuscrit de l'Arsenal, qui est du règne de François Ier, a le sens du fantastique. Et il sait créer l'inquiétude et parfois l'épouvante. Alors nous voyons maintenant, c'est la dernière image que je présente, si elle veut bien s'ouvrir, mais elle s'ouvre, la représentation des cynocéphales dans le manuscrit de 1810. Les gens ont des têtes de chien, des dents, des yeux, leur visage ressemble à des chiens matins. Tel est le texte de Marco Polo. Ici, ils vendent des épices. Le visage plombé est extraordinaire. C'est une trouvaille de l'artiste. Cette couleur gris plombé. Mais ils sont un peu apaisés, l'horreur est masquée, elle est atténuée, elle est voilée en raison de l'habillement, en raison des épices qu'ils vendent, ils sont dans une tenue de marchand, ils pratiquent l'art du commerce, le pays est vert, il y a des habitations, nous n'assistons pas à une scène d'anthropophagie, donc nous avons à la fois des visages de chiens loups, en quelque sorte, gris, c'est la touche prodigieuse. Et puis la couleur, le sens de la nuance, un bleu profond, un ocre un peu foncé, du blanc cassé, plusieurs verts, plusieurs sortes de bleus. Le peintre est un grand artiste de ce texte. Alors je conclue en disant... en donnant quelques informations, puisque j'arrive au terme de ce qui m'est imparti. L'intérêt des illustrations est complexe. Par leur dessin, leur couleur, leur composition, elles enchantent l'œil. Il y a un plaisir esthétique évident. Et je vais rester sur les cynocéphales malgré tout, pour qu'on les voit encore. Ces peintures, faites un bon siècle après le retour en Occident, de Marco Polo, très postérieur au texte, par des artistes qui n'étaient jamais allés en Chine, ni même au Proche-Orient, et qui, par des voies mystérieuses, ont appris à dessiner des éléphants avec assez de justesse, et des chameaux. Le monde exotique qu'ils créent est un monde rêvé. Dans son texte, Marco Polo déclare dire le vrai. Et il nous donne une foule de notations confirmées par l'histoire, par les archéologues, par les historiens. Donc les artistes chargés d'illustration ont dû tout inventer en s'inspirant certes d'images antérieures, des traditions iconographiques. Mais aucun peintre ne s'est inspiré d'un autre peintre de Marco Polo. Et d'autre part, aucun peintre n'a accompagné la famille Marco Polo dans son voyage là-bas.
Un peintre n'était jamais obligé de suivre avec fidélité l'œuvre qu'il devait illustrer. Face au texte, chaque artiste réagit en fonction de sa sensibilité, de ses rêves, de ses goûts. Et sans connaître le moins du monde les régions lointaines où étaient allés les Polos, ils ont recréé un Orient fabuleux. Alors quant à Marco Polo lui-même, certes il ne dit pas tout. Certes il embellisse parfois le réel. Dans le chapitre où il décrit Kubilai Khan, il le présente comme un occidental au plan physique, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous savons très bien comment sont faits les Mongols. Mais cela dit, Marco Polo nous apporte une foule d'informations sur les mœurs, sur le style de vie des Mongols, sur leur manière de combattre, sur leurs croyances. Il a prodigieusement élargi nos connaissances. Il a fait découvrir l'Asie. Les hardis voyageurs qui aujourd'hui vont encore en Asie centrale ou dans la Chine, le long de la route de la soie, continuent d'emporter avec eux le livre de Marco Polo. Et les grands explorateurs du début du XXe siècle, Sir Orwell Stein, le faisait Paul Pelliot aussi. Et oui, les sables du désert de Gobi chantent à certains moments, ils font du bruit, animés par le vent. Marco Polo nous en parle, il nous dit que la nuit on entend des esprits qui parlent. Oui, il existe une huile qui brûle aux confins de la Perse. Nous l'appelons aujourd'hui le pétrole. Oui, l'extraction de l'amiante a lieu dans la région de l'Altaï. L'œil du voyageur note une foule de choses dans les pays immenses qu'il a parcourus. Il a observé les coutumes religieuses des Tartares, les pratiques des lamas aux portes du Tibet. Il évoque une scène d'extase des chamans. Il décrit aussi les grandes métropoles chinoises, comme Kambalouk, la ville du camp, et puis la Qinsai, c'est le nom arabe qu'il donne à Hangzhou. Il a la pudeur de glisser, malheureusement, sur les 1000 dangers rencontrés, sur les conditions du voyage. Il ne nous parle pas des chevaux, des chameaux, mais sous la discrétion des propos, la spontanéité de la vie se laisse percevoir et les manuscrits enluminés de Marco Polo donnent à leur façon une image des scènes évoquées par leur grand explorateur revenu, par miracle, vivant, des espaces infinis de l'Asie. Je vous remercie. S'il y a quelques questions, demandes de clarification. Est-ce que Marco Polo avait emmené ses traducteurs pour converser avec l'empereur? Ou est-ce que des érudits de la cour de Kubilai parlaient italien? Oui, c'est une question très intéressante. Le texte de Marco Polo nous dit ceci. Il connaissait 4 écritures de l'Asie. Alors, les érudits modernes ont réfléchi. Naturellement, la mongole et j'irai même plus loin, la langue mongole, c'est indispensable. Sinon, il n'aurait pas été un familier de l'empereur. Deuxièmement, le grec. Il savait lire le grec. La maison Polo avait un comptoir à Constantinople. Alors, troisièmement et quatrièmement, là on peut... certainement pas le chinois. La Chine était le peuple conquis. On ne s'intéressait pas aux gens soumis, et puis c'était trop long, trop difficile. Alors, peut-être le Ouïghour, et certainement le persan, parce que le persan était la grande langue du commerce dans le Proche-Orient, et aussi dans l'Asie centrale, et encore en Perse. Dans le texte de Marco Polo, il y a un certain nombre de mots arabes qui apparaissent, des toponymes, ou des noms de fonction aussi, des mots persans également. Il avait besoin de traducteurs s'il s'adressait à des Chinois, à des mandarins chinois, au service des Mongols, puisqu'ils étaient soumis. La Chine du Sud était conquise quand il est arrivé, ou en voie de conquête. Tout a été, l'empire Song s'est effondré en 1279, alors il est arrivé un petit peu avant.
Mais les armées mongoles étaient déjà, c'était des combats d'arrière-garde pour la grande civilisation Song. Alors voilà, on peut penser qu'il lisait et parlait le mongol, il lisait et parlait le persan, peut-être le ouïghour, et puis alors il lisait, mais ne devait pas parler, il ne pouvait pas parler le grec parce qu'il n'avait pas eu le temps de l'apprendre. Il est parti à 17 ans de Constantinople, il est arrivé à 20 ans là-bas, voilà. Oui, vous nous avez parlé dans votre exposé de la mise d'objets dans ce qu'on va appeler le cercueil, entre guillemets, des gens avant qu'ils soient brûlés pour que ça leur serve dans l'au-delà. Ce sont des traditions qu'on connaît aussi en Égypte, chez certains peuples européens, alors qu'on parle beaucoup en histoire d'une grande cassure entre l'Occident et l'Asie extrême-orientale, on va dire au Moyen-Âge. Est-ce que vous auriez une explication, finalement, pour qu'on retrouve ces différentes choses? C'est ce point commun dans différentes civilisations. Aucune influence de la Chine sur l'Égypte et vice-versa. Il y a des phénomènes dans l'histoire qui se produisent indépendamment, en des lieux très éloignés du monde. L'idée, d'abord, qu'il y a une autre vie. Deuxièmement, que cette autre vie, elle est semblable à la vie que l'on a connue. Elle se trouve dans des civilisations différentes, elle se trouve dans la civilisation chinoise, elle se trouve dans la civilisation mongole, elle se trouve dans la civilisation musulmane. À des moments de l'histoire où ces civilisations n'étaient pas encore en contact. Alors ça me paraît un cheminement de la réflexion et de l'imaginaire tout à fait normal. Il y a une autre vie, alors on fait brûler un certain nombre de choses, ou on met dans le tombeau. On voit, quand on visite des tombeaux d'empereurs chinois de l'époque Tang, ou de princes Tang, au nord de Xi'an, on voit des objets qui ont été déposés, ce qui reste, quand les pillards ne les ont pas pris. Cela me paraît tout à fait légitime. C'est une coïncidence, alors on pourrait dire quelque chose de constant dans la nature humaine. Oui. Bonsoir monsieur. Je suis là. Vous avez parlé dans votre exposé d'un autre voyageur médiéval qui était Guillaume de Rebrouck, qui est parti, comme chacun le sait, en 1253 et qui est rentré en 1254 en France à la demande de Saint-Louis, l'année même d'ailleurs où Marco Polo naissait. Je voulais simplement poser une question concernant ces autres grands voyageurs français, occidentaux. Je pense à Saint-Crémon, je pense aussi pour nous lyonnais à Jean de Plancarpin qui est parti de Lyon en 1245. Donc bien longtemps avant Marco Polo. Comment expliquez-vous que Marco Polo ait traversé 7 siècles et rempli encore une salle aujourd'hui à Lyon, alors que très peu de personnes connaissent Jean de Plancarpin? Les deux textes auxquels vous faites allusion, celui de Jean de Plancarpin et celui de Guillaume de Rubruck, sont très intéressants. Ils ne sont pas tombés complètement dans l'oubli. Je tiens à rappeler que Guillaume de Rubruck a été traduit par ma charmante et estimée collègue Claire Capler avec son mari et a été publié d'une manière très remarquable aussi à l'Imprimerie nationale. Il y a une traduction simple et une traduction très remarquable à l'Imprimerie nationale. Alors, Jean Duclos, l'explication est très simple, ils ont écrit en latin. Et alors, il n'y a que les médiévistes à les lire et à les comprendre. Mais je les ai relus récemment, parce que je dois faire à Paris, dans quelques jours, un exposé sur Marco Polo chez les Mongols, complètement différent de ce que je présente aujourd'hui. Et il donne des précisions très riches, très puissantes. Jean du Plancarpin, notamment sur la manière de combattre des Mongols. Et puis Guillaume de Rubruck sur l'aspect sauvage primitif, et puis les problèmes religieux, les nestoriens. Marco Polo a vu les églises nestoriennes, mais il ne décrit pas les rites, les cérémonies, leurs croyances, etc.
Alors, Marco Polo est célèbre. Et puis, Marco Polo, son texte a été en langue romane. Il y a eu, l'Italie a joué un rôle capital. Marco Polo est un monument national et très légitimement en Italie. On fête toujours le centenaire de sa naissance. On a fêté en 2005, enfin, le 750e centenaire de sa naissance. Donc, il y a toujours, ce sont des cérémonies nationales où il y a des savants qui viennent, qui sont invités. Alors, Jean-Luc Lampe, ils ne sont pas allés en Chine non plus. Ils ont vu moins de choses et ils ne sont allés qu'en Mongolie, les deux dont vous parlez. Et dès lors, leur expérience est moins riche. Marco Polo a traversé la Perse, ils ne sont pas allés en Perse. Et ils ont traversé l'Europe du Nord et puis ils ont filé à travers l'Ukraine, à travers ces étendues, ces steppes terribles et épouvantablement froides. Mais Marco Polo a eu du froid et du chaud aussi. Il est passé sur le plateau du Pamir. On est à 5000 mètres dans le haut Pamir et les cols sont à 6000 ou un peu plus de 5000. Moi, je suis monté à 4000, mais j'étais dans le petit Pamir il y a quelques jours. Alors, donc Marco Polo a une amplitude, une ampleur, une diversité, et puis il est revenu, il a vu l'Indonésie, il a vu la Malaisie, il a vu l'Inde, il a retraversé la Perse, donc ça fait une expérience beaucoup plus riche, plus variée, et plus percutante peut-être. En tout cas, c'est pas à moi qu'il appartient de le rabaisser. Mais vous avez tout à fait raison de rappeler le souvenir de ces deux grands voyageurs qui méritent toujours d'être lus et qui apportent des compléments. En effet. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous ne pouvons que remercier pour ce voyage absolument extraordinaire que nous avons fait à travers cette iconographie magnifique que vous nous avez présentée. Voilà, et nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir. Merci.